Et la première faute de Cristiano Ronaldo, René Ronaldo qui n'a jamais marqué contre l'équipe de France en 5-6 matchs. Parce qu'il sait que je l'adore, il a dit là, je ne vais pas marquer contre l'équipe de Ronnie. Donc on te remercie. C'est penalty effectivement, et Ronaldo alors, qui va se présenter face à Hugo Lloris pour normal, casser la mauvaise série, l'attaquant de la Juve. C'est, voilà, moi je te dis, c'est pas normal. Voilà. Alors ce n'est pas normal pour René, est-ce que Lloris va se venger? C'est l'occasion en or pour un quatrième but déjà pour Ronaldo dans cet Euro 2020. Grand joueur, après voilà, se rapprocher de son fameux record. Le regard très concentré de Ronaldo qui s'élance. Cristiano Ronaldo face à Lloris et s'est transformé. Bravo. La malédiction a pris fin avec Cristiano Ronaldo qui ouvre le score pour le Portugal. Penalty pour l'équipe de France. Oui. Mbappé est allé le chercher. Oui, oui. Et ben voilà de quoi se remettre dans le coup côté bleu alors qu'on va Obélix. Astérix et Obélix sont dans le stade. Faute de Pépé, il me semble. Vous gueulez là, Madame Corée, avec le pénalty que nous avons donné à vous. Et ça parle de Paul Pogba qui cherche Mbappé. Oui, faute, bien sûr. Ouais, oui, pense, oui. Je pense. On va voir. Il prend le dessus, c'est Semedo. Ouais. Semedo qui bouscule Mbappé. Karim Benzema face à Rui Patricio, le gardien de Wolverhampton face à l'attaquant du Real Madrid. Karim Benzema, le but de Karim Benzema, le voilà, le premier. Et Seb, tu l'avais parié. Oui, mais j'ai pas mis les sous. Ouais, mais il n'avait pas parlé sur penalty, il avait parié dans le jeu. Oui. Ça a fait un partout entre le Portugal et l'équipe de France. Karim Benzema qui a répondu au pénalty de son collègue Cristiano Ronaldo et ça fait un. Bien. Et c'est logique, hein, René. Ah oui. Si c'est fait. Normalement, on devrait mener un 1-0. Voilà. Oh, bien joué. Ah, bien fait, ça, avec Kanté. Magnifique. On reprend du galon côté français avec Mbappé. Allez, Mbappé. Oh, juste avant la pause, il serait tellement beau ce 2-1. Voilà, le long décalage vers Corentin Tolisso. Il a Koundé derrière. Tolisso. Voilà, c'est beau ça. Tolisso. Oh, c'est beau. La reprise. La reprise de Karim Benzema, malheureusement pas reprise par Mbappé. Faf la rage, comment ça va Faf? Ça va les gars, moi nickel. ça va, nickel. Ça fait plaisir de te voir. Alors il y a le micro ici, donc j'ai pas forcément besoin de te le passer, mais voilà, Faf la rage et Sébastien Damiani, on a le duo gagnant de la musique, hein. Moi je vous le dis. Là on a des maestros, et le poteau de but. Le doublé de Karim Benzema. Tu vois quand le but fait de radio de lui. Et voilà. Tu l'as dit, dans le jeu. Voilà. Vérification du but. Alors il y a de fortes chances qu'il soit bon. Attention. Le but est accordé. Voilà. Et le doublé. Bravo. De Karim Benzema. Il est content. Il renaît de ses cendres, le phénix du Real Madrid. Et la joie, la communion de tout un groupe. Bah, tu nous as apporté bonheur. Voilà. Et voilà, il y a tout qui se débloque. Il est arrivé Faf la rage. Il s'est boit une petite limonade. Pour les Bleus, mais ça va maintenant jouer de tous les côtés avec ce long ballon vers Ronaldo. Oh, la tête de Ronaldo. Oh, il avait pris le dessus sur Varane. La deuxième mi-temps va être chaude, je vous le dis. Aussitôt rentré, aussitôt sorti pour Lucas Digne. L'entrée. Pas de cul, lui. Ah non, là c'est malchance. L'entrée d'Adrien Rabiot, du coup. C'est pas Lucas Digne, c'est Lucas Guigne. Ah, oh, pas mal. On a notre Enzo. Ronaldo face à Hugo Lloris, le deuxième face à face, le round 2. Même tir ou pas? Même est-ce tir, que même ça sera la même puissance? L'attaquant de la Juventus face au gardien de Tottenham. Normalement il change au second. Lloris serait inspiré d'aller face aux supporters tricolores. Cristiano Ronaldo qui va s'élancer face à Lloris. Oh là là. Et le 2-2. Même penalty. Il n'a absolument pas tremblé Cristiano Ronaldo. Bravo. Le troisième pénalty de la rencontre et ça fait deux partout entre le Portugal et les Bleus. Kingsley Coman, premier ballon pour le Bavarois. Kingsley Coman qui va aller déborder le centre pour Griezmann. Griezmann pour Adrien Rabiot. Il faut tenter Adrien Rabiot, la frappe non. Karim Benzema. Benzema qui temporise. Remet retrait pour Pogba. Il s'était mis en position de frappe. Ah, il faut décaler la tenter, la frappe de Pogba. L'arrêt de Patricio et Griezmann. Bien joué. Oh là là, double occasion pour les Bleus. C'est pas terminé. Incroyable. Avec Rabiot. Pogba, là on remet dans le paquet la frappe de Paul Pogba et ça passe à côté. Est-ce que c'était le poteau ou l'arrêt de Rui Patricio? Mais quelle frappe de Paul Pogba. Fait, moi je suis content, on est premier, voilà. Et j'ai eu un beau match. Ouais, c'était un beau match. Ben voilà. Si t'es content, tout le monde est content. Ah ouais, on s'est régalé. Ce sera sans doute sur le dégagement du Hugo Lloris. Et c'est fini. Bravo. L'équipe de France
termine en tête de ce groupe F avec ce 2 partout. Belle soirée parce que j'ai vu un bon match, on a vu des buts.